Salut tout le monde, c'est Priya. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le live de Siberia 3 et nous étions arrivés à Baranur. Donc on va aller un peu explorer la zone. On va essayer de voir si la zone est toujours radioactive et savoir si on peut traverser ou pas. Donc on va sortir. Trop dangereux tant que je ne peux pas détecter les radiations. Ok, donc comment tu veux les détecter, meuf? Donc ça va se faire sur le rafio, en fait, la détection. Tu vas bien, on va lui demander à lui. Tu dois trouver le moyen de voir les radiations, Kate Walker. Ok, alors peut-être dans le bateau. On va voir ça. Bienvenue, coucou Rénal, coucou Ludo, comment ça va? Je pense qu'on va aller au sous-sol, attention. On va faire un petit tour dans le sous-sol. Bon, pour les personnes qui ont raté, le capitaine, il s'est sacrifié pour nous. Il nous a évité de nous faire buter par le mollusque, là. Alors, attends, on arrive. Établi trop haut. Trop haut, t'en établi, mec. Ça va bien nous servir, ce genre de machin. Ça va super, merci. Alors, pas l'air hein, pour l'instant. Voilà. Ça a bugué. Je pense pas, là c'est pour les machines. Ok. Donc c'est peut-être en haut alors. Bienvenue les gars. Alors voyons voir si je monte. Est-ce qu'on a un truc ici? Ah là. Je crois que si j'enlève la clé, c'est pour une raison. Peut-être que ça va me permettre d'ouvrir quelque chose, non? Un compartiment, un truc. Paitra Gan, Miss Catwalk. On va aller voir dehors. Ah, c'est quoi ça? Ah ben voilà. Radio lunettes. Ok, donc il faudrait qu'on ait les lunettes. Ouais, c'est vide. Hein. Alors attends. Le niveau de radiation environnant est indiqué ici. Mais il faudrait que je puisse être sûre que toute la zone est saine. Ok. Bloqué. Là, il me faut la clé. Bah, j'ai bien fait de la récupérer, tu vois. Bloqué. Attends, donc il va falloir que je la tourne. Le niveau de radiation environnant est indiqué ici. Mais il faudrait que je puisse être sûre que toute la zone est saine. Ok. Tu crois que là, ça m'a sorti les machins? Non. Non, y'a rien. Oui, oui. Ok, on a eu les fameuses lunettes.
tous les gars. Bah, aujourd'hui, Facebook a décidé de... Oula, de partager. C'est pas top, hein. C'est pas net net, mais c'est pas pourri non plus. Ok, donc, fais voir. Maintenant hein, que j'ai les lunettes, je vais pouvoir aller faire un tour, non? Ouais. Donc on va aller faire un petit tour. Bienvenue à tous. Pourquoi les temps de chargement, les amis? C'est long, hein? Tu entends le calé, hein? Merci Nico pour le like, merci beaucoup. Alors, peu de courant. Ok, il va me falloir un truc pour faire bouger les câbles, je pense. Ok, donc ça va pas être tout de suite. Comment je suis censée régler ça? Ah bah Cœur qui a raison. On ne pourra pas sortir les autruches tant que la cale donnera sur l'eau. Ah bah oui, sinon, on va se barrer. Salut JS, comment ça va? Bienvenue. Mais les pauvres, ils sont tous canés. Oscar, oui, on a Oscar. Mets-lui le cœur dedans. On va le réanimer. C'est idiot. Oscar n'existe plus maintenant. Je le sais bien. Et ses automates se ressemblent tous. Ah, c'est bien ça. Votre médaillon, le cœur, vous savez, il est en très bon état. Il contient tout un tas de données constitutives d'un automate XZ2000. L'essentiel, pour ainsi dire. Vous comprenez, sur ce modèle particulier, merci Ludo, le cœur et l'intelligence like. Se mélangent. Alors, il suffirait de pas grand-chose pour que vous retrouviez un jour votre ami Oscar. T'en as marre de la chaleur? Peut-être que c'est possible. On va retrouver notre pote à la compote. Ah, il nous faut une sorte de clé spéciale. Je pense pas qu'on l'ait. Merci David pour le like, bienvenue à toi, bienvenue à tous. Bon, on l'a ça pas. Ça ne marche pas. On va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour, les gars. On va bien trouver quelque chose dans les environs. Je vais finir comme Oscar. On va monter. Alors voyons voir, on a quoi ici? Ah, c'est quoi? Ah, un crochet. Ah, ça, ça va nous servir, je pense, pour les câbles électriques. Salut Alex. Bienvenue à tous. Comme je disais, aujourd'hui, Facebook, ils ont décidé de nous partager un peu. Ça, c'est cool. C'est tellement rare. Y a rien d'autre, là, dans ce bled? Non. Allez, écoute, on va monter. Alors... Ok. Temps de chargement encore, quoi. Ouais. Prenez un café, les gars, parce que les chargements, ils sont longs.
Merci Alex pour le like, bienvenue. Bienvenue à tous. Ok. Alors, voyons voir. Ok. Quelqu'un s'est creusé la tête ici. Ouais, il n'y a rien d'autre, on se casse. Attends, on va lire d'abord le truc qu'on a eu là. C'est pas là. Ah, je peux pas lire. Tu vas voir, j'ai encore un bug. Voilà. Viens voir, c'est quoi que t'as récupéré, meuf? Un étrange ensemble de dates et de vitesses en mètres par heure de la plupart raturées. Elles sont accompagnées d'une initiale KEA. On verra. 1, 1, 3, 3. Ok. On verra, ça va bien, ça va nous servir, je pense, ce truc. Ok, tu peux passer par là. Ici, là. Encore, ça charge. Il y a des temps de chargement entre chaque pièce. Est-ce que j'ai tout bien regardé à l'endroit? Parce que des fois, tu te retrouves coincé parce qu'en fait, tu n'as pas bien regardé où tu étais. Bienvenue à tous. Welcome, everyone. Sûrement pas. On a essayé au cas où. Donc, il va me falloir une sorte de clé, ok. Ok, ça, c'est Baranour. Ah, t'as vu? 2, 3, 15 plus 25... Ok. Pas aller plus loin. Merci Moussa pour le follow. Bienvenue à toi. Nope. Un rouage. Ouais. Un pignon. Quoi avec ton truc là, mec? Rien à foutre dans ce bled. Et ensuite là-dessus, fais voir. L'emblème des Vorarlberg. Hans le mettait sur toutes ses inventions. Donc c'est bien Hans. Ça ne va pas. Rien. J'allais dire, je crois pas trop. Essayons autre chose. Donc, je pense que ce sera pour après. Laisse-moi voir. Ah, tiens, vais. Comment ça va, José? Qu'est-ce qu'on a ici? Je devrais pouvoir séparer ce wagon du chariot. Ok, avec quoi? Ah ouais, comme ça. T'as foutu le bordel, meuf. Elle a tout cassé. T'es sérieuse? Elle a tout pété. Ah. Un autre automate délabré? T'as pas des trucs à me filer, toi? Un autre automate délabré?
Je dois pouvoir tracter le cristal en l'attachant à ce treuil. Ouais. Salut Yaga! Merci, c'est gentil. Désolée. C'est violente, meuf. Pas de commande de mise en marche. Je vois. L'automate chargé de piloter ce tracteur doit être connecté à cette broche en forme de clé Vorarlberg pour pouvoir le démarrer. C'est astucieux. Mais il me faudrait un automate en état de marche. Notre futur Oscar, meuf. Il a pas la clé? Ouais, il a la clé. Donne. Donc, c'est la clé du coffre, je pense. Ah, tu m'aimes déjà? Oh, mais tu me connais à peine, tu viens de me voir. Je tombe vite amoureux, mon très cher. Tu es pas très fiable comme ami. Si tu tombes si vite amoureux. Voyons. Bienvenue les loulous, comment ça va? Alors. Ouais, parce que si tu me connais vraiment, tu ne m'aimerais pas du tout, mec. Je suis complètement siphonnée du bulbe. Vas-y, tourne. Sésame, ouvre-toi. Ah! Une clé pour le futur César. Ok. Des outils Vorarlberg. Ce qui se fait de mieux pour réparer les automates. Yaga, Alex, il est tombé amoureux de toi aussi. Allez, c'est parti. On va aller voir notre autre pote. On va régénérer Oscar. On s'aime tous ici, les gars. Bienvenue. Ah. Ah. Kirk, mais que faites-vous là? Puisque tu as pu explorer cette zone sans dommage, j'ai autorisé les Yukol à descendre à terre. On est venu. Il faut que je te montre quelque chose, Kate Walker. Quoi donc? C'est important? Allez, Miss Catwalker, venir. Okay. Merci Amadou pour le like, bienvenue. Ok, on te suit, meuf. En dessous, Macadam Pourri, c'est chemin sacré de la transhumance. Miss Catwalker doit rapidement faire sortir Autruche pour que Yukol prenne cette route. Oh, comme je la kiffe. Je comprends que vous teniez à respecter scrupuleusement le protocole de vos coutumes. Mais faire passer votre caravane par là serait du suicide. Cette avenue est totalement irradiée. Pas de charabia, Miss Catwalker. C'est volonté des esprits. Miss Catwalker a vu ce qui arrive quand Yukol s'oppose aux esprits. Mais... Notre chamane est têtu comme une vieille autruche, Kate Walker. Tu crois qu'il pourrait exister une autre route? Je ne sais pas. Pour le moment, je me suis surtout concentrée sur la réparation d'un automate pour tracter le cristal. Dès que je le pourrai, je chercherai un autre chemin. D'ici là, restez bien dans les zones sûres et soyez prudents. D'accord? Ouais. Évite de te faire radioactive. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais bon. C'est pas grave. Ah ouais, ils sont tous là, en fait. Ils sont tous ici, les potes à la compote. Peut aller là. Parce qu'à la base, je voulais retourner voir mon pote automate là-bas. Là. On va faire un petit tour de toute façon. Ah, ça c'est bien ça. Qu'il y ait du soleil et tout. Alors, voyons voir. Totalement obstrué. Ah bah ouais, je croyais quoi, moi. Y a rien dans ton blé. Pourquoi tu me fais venir ici alors qu'il y a que dalle? Tantôt, on peut rien te piquer? Non.
Bienvenue tout le monde. Merci pour vos likes, les amis. Merci pour vos partages aussi. Alors. Ça, là, la machine, là, que moi je vérifie partout. Bonne journée Diagra. Hop hop hop, voilà. Ça qu'il faut tourner partout dans ce bled. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Merci Shani pour le follow, bienvenue à toi. N'hésitez pas à vous abonner les amis, on a l'objectif 12 000 abonnés avant le... Attends, c'est quoi ça? Avant le 31 décembre 2023, on essaie de faire 12 000 abonnés, on est à 11 647. Donc, bienvenue à tous et merci. On peut pas rentrer là-dedans? Ouais, vas-y, viens. On peut pas? Tu veux pas rentrer? Elle passe à travers les... à travers, elle est passée, oh. Là, c'est d'où on vient. Ok. Allez, viens. Ah, mais désolée, Diaga, je suis mariée, moi. Eh oui, moi, je suis mariée, heureuse dans ma vie. Non, je vais devoir décliner ton invitation. Par contre, Alex, je pense qu'il serait très content de venir à Dakar pour les vacances. Mes prochaines vacances, je les fais au Japon, je vais à Tokyo. Salut Guillaume, comment ça va? Pourrais pas venir, désolé mon petit. Allez viens, on va réveiller Oscar. Salut Robin. Robin, aujourd'hui on t'a fait plaisir. Alors, la fameuse clé, elle est où? Là. Ça ne va pas. Oh, t'es sérieuse? Ah non. J'allais dire, tu te fous de ma gueule? Sésame, ouvre-toi. Merci Robin pour le like. Ah, ben nickel, Guillaume. Ah, mais ça va, Alex, voyons. C'est les vacances, tout frais payé, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, non, reviens, reviens. J'arrive pas à le mettre dedans. Ça y est, c'est bon. Ah, attends. Rien. Ça? Sûrement pas. Ça? Wesh. Il bloque l'ouverture. C'est quoi qui bloque l'ouverture? Ok. Je me souviens de ces serrures. Elles permettent d'activer toutes les inventions de Hans. Bon, plus qu'à trouver la clé correspondante. Donc faut que je retourne où on était parce que au coffre là, il y avait plein de clés. Merde, pas ça. Sors. C'est clair, tu pourrais faire un effort, Alex. C'est toi hein, qui a commencé. Salut Mylène. C'est à toi qu'on commençait à lui dire je t'aime aussi.
L'ami à tous. Il a réparé tout, le mec. Qu'est-ce que c'était? Il a réussi à le réparer. Merci, Mylène, pour le like. Je pourrais te sacrifier. Hein. Quand je lui ai dit que j'étais mariée, il est parti. Ça l'a plus intéressé, t'es plus intéressé. Mais du moment où j'ai dit que j'étais mariée, on a perdu 30 abonnés, les gars. 30 vues. Il y a 30 personnes qui sont parties au moment où j'ai dit que j'étais mariée. Bienvenue au reste de la clique, merci. Bienvenue à tous, merci pour vos likes, les gars. Rien qui ressemble de près ou de loin à une clé d'activation. C'est clair, il a cru au Papa Noël. C'est bien ce que je pensais. Pas de clé d'activation. Il va falloir qu'on la trouve, elle est quelque part. Ah, tu l'as enlevé. Pas fan de Chewbacca. Tu aurais pu le laisser, c'était rigolo. Oh là là, il a pas d'humour, cet Alex. Mais ouais, il aurait branché à Mylène, il lui aurait proposé un voyage à Dakar. Tu déconnes. D'un côté, j'aurais dû dire oui, il m'aurait envoyé les billets d'avion et puis après, j'aurais posé un lapin. Alors. Je me serais fait un petit voyage à Dakar. Ben ouais. Voyage va être long, si interrompu si souvent. Oh, Eka, attends, tu vas pas nous emmerder quand même, hein. Tu crois que c'est notre faute, mec? Alors attends, par où on va passer, là? Ah là, là, par là, non, il y a une entrée, là. Je vais ramener toute ma famille. C'est clair. Est-ce qu'on peut rentrer par l'arrière, là? Non, rien à faire. Mais il reviendra pas, je pense pas. Donc ici, il n'y a rien. Ici non plus. Alors, attends. Là, tu peux pas aller. Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Dans les avions, il n'y a pas une petite clé dans les avions? Merci Guillaume pour le partage. Attends, pourquoi? Parc devait être trop rigolo. Maintenant un peu sinistre. Maintenant un peu sinistre. Ça y est, il est content, Robin. Ben, j'aurais dû me faire couper les cheveux hier, les gars. Hein. Mais j'ai oublié que c'était mardi prochain. Oh, c'est où alors ce bled? Attends, il n'y a pas l'autre qui a fait descendre le petit chouchou là? Viens, on va voir. Ah, merci Guillaume, c'est cool. Robin, il est en extase. Ah, bloc. Pourquoi je peux plus y aller?
fout de ma gueule, quoi. Ah. Elle a pas envie. Elle a envie de nous faire chier. Alors, tiens, il y a le wagon. On va faire un petit tour. Casser la gueule. C'était maraboudé par Priya. Pourquoi lui aussi? Ah, tu parles de Daga. Je pense qu'il va falloir que j'aille moins vite. On peut bien mener ce passage. Ouais, il va falloir que je m'y arrête. Cette aiguille doit être reliée au ressort du mécanisme. Alors vas-y. Il faut aller dans la cape là. Il nous manque une aiguille. On en a trouvé une ou pas? Ah. J'ai pigé. Ok. On fait voir. Si je me mets ici, là. Ok. Maintenant. Attends. Sinon, je bloque à 45 plutôt. Fais voir. Je vais la mettre à 50. Elle va se bloquer à 50. Je vais me mettre sur 45. Ou peut-être moins vite encore. Hein. Si on se met sur 25. Plutôt dans l'autre sens. Qu'elle aille à pas plus de 25, merde. Moitié. Fais voir. Je vais bloquer... Oui, mais le truc, il va pas se relever si je mets... Fais voir. J'avais pris un mois complet. Ah! Je préfère ça qu'être ban. Ouais, c'est vrai, ça fait un moment que tu t'es pas fait ban, mec. Sûrement pas. Ok, maintenant. Et merde.
penser. Tu crois que c'est pendant que je me... Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Ok, donc c'est là. J'ai du mal à la mettre, l'aiguille. Attends. Ou sinon, attends, fais voir. Je vais essayer de voir que... C'était la fesse à Bamako. Où ça? Tu veux que je me marie? Ouais, mais il ira pas plus loin. Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Tu crois qu'il m'en manque? Oui, parce qu'elle est à zéro. Attends, il doit me manquer une barre. Peut-être qu'il faut que je cale l'aiguille. Ou que je fasse comme j'avais fait l'affaire à 50. L'affaire à 25 et qu'elle descende à pas plus de 25. Trop chaud là. Je sais pas trop comment ça marche de merde. J'avoue les gars. J'ai pas trop d'idées. Je vais faire comme j'avais fait. Je vais essayer de le mettre en bas. Putain merde. Ok. Ah! Mais oui, mais on va aller trop vite encore! Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Ah non, regarde, on descend. À 25. Mais on va quand même aller trop vite, non? Ah! Ah merde. Là je reviens à zéro hein. J'ai rien pigé. Bon, c'était pas mal. On a fait une sorte, on a réussi à aller quelque part. Il faudrait que je mette peut-être qu'il m'en faudrait une autre de tige. Une à 25 qui soit de s'arrêter. On reprend et en mettre une autre pour s'arrêter à peut-être à 10. Faut que je vois s'il y en a pas une autre dans les parages. Quelqu'un s'est creusé la tête ici. Non, pas l'air. Faudrait que j'en ai deux de tiges, je pense. Mais où je la trouve, la deuxième tige? Ils sont beaux. Moi, j'en sais rien, on a fait tout le tour pendant 3 jours. Attends, y a rien, y a pas de tige dans mon wagonnet, là? Attends.
Non, c'est juste pour t'asseoir, meuf. Quand tu le vois, le boulot, que c'est rien qu'avec eux. Ah, je comprenais pas ce que tu racontais. J'ai, qu'est-ce que tu dis, toi? Ah! Tiens, viens. Ah! Donc, je pense qu'on va faire ça. On va en mettre une à 25. Parce que ça avait l'air pas mal, ça. Une à 25 et une à quoi? 10. Et on va voir ce que ça donne et on réduit. Ok. Ah ben c'est où 5? On va faire à 15. Ok, alors on va essayer. Non, non, on l'a fait déjà. Non, je dois m'arrêter à un endroit. On avait une sorte de... On avait une sorte d'endroit pour aller dans le roller coaster. Et je voudrais m'arrêter à cet endroit-là. Et en fait, je dois faire en sorte de faire ça. De jouer avec la vitesse du wagonnier. Il va s'arrêter, tu vois, à un certain moment. Soit il prend beaucoup de la vitesse, après il va s'arrêter. Et je me dis peut-être qu'il reprenne de la vitesse après. Voilà. Si j'enlève lui, juste qu'il monte cet endroit en fait. J'ai besoin qu'il s'arrête en haut. Je sais pas si ça va marcher. Là, là, ici. Oh putain, ça a marché. Où peut bien mener ce passage? C'est quoi qui peut être sexy? 5 prières qui s'énervent en même moment chez toi. Tu es pas dans la merde, mec. Parce qu'attends, vous m'avez jamais vraiment vu m'énerver. Je crois que la seule fois où, et encore, je me suis pas énervée à 100%. Je me suis énervée, c'était dans Ocarina of Time. Mais j'étais énervée, j'étais pas énervée au level. Donc imagine si je m'énerve au level, les gars, je suis une tarée, moi. Ok. Et je casse rien, par contre. C'est quoi, ça? Y a des gens, ils vivent là? Il y a des tuk-tuk. Il y a un tuk-tuk qui vit là. Godzilla, tu es trop gentil. Mon André. Oh, il y a mon mari, V. Il s'appelle André, mon mari. Il y a mon mari dans le jeu, je vais lui dire demain. Tu diras, oh mec, tu étais dans le jeu. Qu'est-ce que tu foutais dans le Rien jeu? Rien à faire. Je vais te casser la gueule. Sûrement pas. Ça ne va pas. Ok. Hop, 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 ici. Une vraie chambre de midinette. Bah, King Kong, vu que je suis pas poilu, ça marchera pas. Plutonium. Aujourd'hui, Piotr va se confronter à son meilleur ami Yuri. Le motif de leur affrontement, le cœur de la Belgique. Et là, je disais, Mylène, j'étais pas super énervé. J'étais énervé, mais il y a un level au-dessus encore. De récompense olympique. On est tombé où là? Ah. Hein? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous fichez ici? Ah, c'est une femme. Oh, bonjour. Excusez-moi. Alors, c'est donc vous la gourgandine qui a utilisé mon wagonnet? J'ai dû escalader le rail avec mon gibier sur le dos à cause de vous. Excuse-nous. Désolée, madame.
Avec la tribu que j'accompagne, nous essayons de quitter ce parc, et j'ai cru que ce vieux wagonnet abandonné pourrait m'y aider. Je ne pensais pas vous faire du tort. Vous auriez quand même pu vous renseigner. Il n'est pas abandonné pour tout le monde. Manquez plus que ça. Voilà, mon tout beau. Mama va te remettre sur pied en rien de temps. Non, le truc y a de bien, à quoi sert Robin, cette clé ? Je casse rien. À activer les automates du parc sans un bon coup de clé de temps en temps, les malheureux, ils tournent neurasthéniques. Tu peux me la donner, voire ta clé, même méchants. Et puis ils tombent en panne. Voilà tout. C'était la première fois dans tous les jeux que je m'énervais autant, je crois. En même temps, si j'avais eu Alex Écoutez, je ne voudrais pas que nous partions de mauvais pied toutes les deux. Laissez-moi déjà me présenter. Je m'appelle Kate Walker. J'accompagne la tribu Yukol dans sa migration vers les terres sacrées. Et vous êtes ? Oh, une Américaine ? Ouais, je parierais bien. Allons donc, voyez-vous ça ? Une Américaine ! Moi, c'est le sergent-chef Katerina Viktorovna Drozdolova. Médaillée d'or de lancer de poids au JO de Moscou. Et veuve du caporal Andrei Grigorovitch Drozdolov, lui-même vétéran artilleur émérite et champion de patinage artistique. Ravie de vous rencontrer, Katerina. Il semble que vous pourriez être pour moi d'une aide providentielle. Accepteriez-vous de me prêter votre étrange clé ? J'en ai besoin pour réparer un automate sans le concours de qui, je le crains. Nous ne pourrons pas reprendre notre route. Vous avez beau être bien poli et parler comme dans un livre, ma petite demoiselle. On peut dire que vous manquez pas de toupet. Cette clé m'est sacrément précieuse. Et pour ce que j'en sais, votre bande de gnomes et vous-même pourriez n'être qu'une bande de pillards mal intentionnés. Il y en a pas mal qui ont traîné ici. Avec dans l'idée de ramasser tout ce qu'ils pouvaient. Ils venaient chercher la bonne aubaine malgré les risques d'irradiation. Je vous ai raccompagné cette racaille à coups de chevrotine, vite fait bien fait. Je suis désolée d'insister, Katerina, mais votre clé, c'est une question de vie ou de mort pour les Yukol et moi. Nous ne pouvons pas nous attarder. Oh, comme vous y allez, l'Américaine. J'ai bien tenu 40 ans ici, moi. 40 ans ? Je croyais que tous les survivants avaient fui après la catastrophe. Il a toujours été très organisé, mon Andriyusha. Il se doutait que l'éboulement de l'entrée avait permis que l'air reste sain. Mais hélas, c'était déjà trop tard pour lui. Votre mari a été irradié ? On l'a été tous les deux. Mais moi, ça m'a rien fait. C'est comme ma nature qui fait ça. Ou alors, faut croire que j'ai été immunisée par toutes les saloperies qu'on me donnait pendant les jeux pour décrocher une breloque. Et vous n'avez jamais cherché à rejoindre Valsambor depuis ? Non. Il paraît que tous les survivants irradiés sont envoyés dans cette clinique dont on ne ressort jamais. Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai mon petit chez moi. Je suis près de mon Andriyusha, j'ai mon chien, et puis du gibier à volonté. Pourquoi vous en profiteriez pas avec votre bande de sauvages ? J'imagine que ça doit manger malgré tout, ces petits nabots. Nous n'avons que très peu de temps devant nous. Nous sommes poursuivis. Et sans votre clé, nous sommes perdus. D'accord. La voilà. Mais prenez-en soin, hein ? Je vous le promets, Katerina. Une dernière chose avant que je parte. Vous disiez que l'air du métro est resté sain. Est-ce qu'il permet de sortir de la ville ? C'est clair. Oui. Vous avez qu'à suivre les rails juste derrière chez moi et vous pourrez quitter Baranour par la station du Stade Olympia, en bout de ligne. C'est le terminus. Non seulement vous éviterez les radiations, mais en plus vous aurez l'électricité. C'est un des seuls circuits de la ville qu'a pas sauté. Faudra juste que vous soyez prudent. Des canalisations ont lâché et l'eau du lac a inondé certaines galeries. Ok. Merci, Katerina. Putain, pour tout. Tu crevais noyée, tu sais. Bienvenue. Alors. Alors, on va retourner voir notre Oscar. On va remettre Oscar sur pied. Mais est-ce que Oscar va se rappeler de nous ? Telle est la question.
Ou est-ce qu'on va juste avoir un automate actif? On ne sait pas. Moi, j'aimerais bien retrouver notre petit Oscar. Ce serait cool. Qui se réveille, qui nous dise « Oh, Catwalker !» Merci Pierre pour le like, bienvenue à toi. Allez, rentrons vers Cal. Allez hop. Qu'est-ce qu'ils font là les deux zouloulous? Quelles sont les nouvelles, Kate Walker? On dirait Miss Catwalker avoir tant de s'amuser. Non. Cette attraction est le seul moyen que j'ai trouvé pour atteindre la station de métro du parc. Et Miss Catwalker trouvait quoi pour Yukol? J'ai déjà appris que le métro est sain. Pas de radiation. Enfin, libre de tout mauvais esprit, si vous préférez. Mais surtout, en sortant par sa dernière station, nous pourrons quitter la ville tout en restant sur l'itinéraire sacré de la transhumance. Où débouche cette station? Une sorte de complexe sportif, Olympe, ou quelque chose comme ça. Olympia, terre de martyrs. Oh merde, n'est pas content de la vieille. C'est du beau travail, Kate Walker. Je ne sais pas ce que les Yukol feraient sans ton aide. Rien. Avant tout, il faut tracter le cristal sur la plage. Comment pouvons-nous t'aider, Kate Walker? Évidemment, vos grosses autruches ne pourront pas utiliser ce wagonnet pour atteindre la ligne de métro. Les Yukol pourraient déblayer les gravats qui bouchent l'entrée de la station pendant que je m'occupe du cristal? Vais trouver volontaire. À plus tard, Miss Kate Walker. Miss Kate Walker. Je crois qu'elle, c'est ma préférée du jeu. J'y vais, Kirk. Je dois aller retrouver un vieil ami. Ouais, j'espère qu'il va nous reconnaître. Attends, il va être paumé. C'est Kate Walker, tu peux les enlever tes lunettes hein, maintenant. Quand mousse à jeter. Quand j'étais petite, je voulais pas casser ma manette de Super Nintendo, alors je mordais les câbles pour ce que je m'énervais. Alors sur mon câble de ma Super Nintendo, il est tout mordu. J'étais petite, je devais avoir 7 ou 8 ans, tu vois. Complètement déglinguée la meuf. Mais j'avais déjà compris qu'il fallait pas que je casse ma manette, tu vois. Alors... À y croire. Ah, le micro ne marche pas. Kate Walker. Ah oui. Bonjour, Kate Walker. Alors ça y est, nous pouvons repartir? Vous avez remonté le ressort du train, n'est-ce pas? Et monsieur Hans Vorarlberg, est-il bien à bord? Il n'y a plus de train, Oscar. Et il n'y a plus d'Hans Vorarlberg. Je vous demande pardon. Vous-même, vous étiez censé être mort. J'ai installé votre cœur sur un modèle analogue au vôtre. Et cela semble avoir marché.
c'est bon de vous revoir, Oscar. Ouais, il est pas au top, hein, ce robot-là. Ça va aller, Oscar ? Je suppose que oui, Kate Walker. Je n'ai pas, à ma connaissance, été programmé pour les états d'âme. J'imagine. Mais allez savoir, Oscar. Vous étiez un sujet très doué. Ce nouveau corps manque passablement d'entretien. Il souffre de rouille arthrosique à toutes les jointures. Oscar, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr, Kate Walker. Je suis conçu pour ça. Nous sommes coincés ici, dans cette zone irradiée, et il nous faudrait partir au plus vite pour échapper aux gens qui nous poursuivent. Mais les Yukol et leurs troupeaux se retrouvent prisonniers du bateau qui les a amenés jusqu'à cette plage empoisonnée. Il faudrait pouvoir tracter le cristal pour le désensabler et ainsi libérer la porte arrière pour que les autruches puissent sortir. Je pense qu'un véhicule sur le ponton là-bas pourrait nous aider dans cette entreprise. Mais seul un automate semble en mesure de pouvoir le piloter. Je vous rendrai volontiers ce service, pour peu que ce vieux corps éreinté fasse encore l'affaire. On fera avec, Oscar. Faites-moi confiance. Bien, alors je vais m'efforcer de vous aider, Kate Walker. Mais... Kate Walker, mes vêtements. Je n'ai aucun vêtement. Ciao, Walpy. Oscar, les Yukol et moi-même, on en a vu d'autres. Croyez-moi, on s'en remettra. Non, Kate Walker. Il est hors de question que je déambule dans le plus simple appareil. Mon intimité mécanique est protégée par des brevets industriels qui assurent la pérennité des manufactures Vorarlberg. J'ai besoin de vêtements, voilà tout. Oscar, s'il vous plaît. N'insistez pas, Kate Walker. Je ne bougerai pas d'ici sans une tenue décente. Très bien, très bien. Je vais vous trouver des vêtements. Oh putain, il va nous faire chier. Oh là là. On va trouver où, nous, des vêtements, hein? On n'avait pas un automate là, il faudrait qu'on pique des habits d'un automate. Alors magasiner, ça veut dire quoi ça? Ah, magasiner, c'est... ça y est, j'ai compris. On va faire du shopping. Alors attends, où est-ce qu'on a un endroit? Peut-être là, là. Ou tu crois qu'on va retourner voir la meuf? Peut-être la meuf, hein. Elle peut avoir des fringues. Putain, il va falloir refaire tout le charabia, là. Je vais regarder dans cette pièce, sinon je retourne voir la meuf, lui demander si elle a pas des fringues. Là, là, il n'y a pas des habits ici? Non. Oh, je vais aller voir la meuf. Il n'est pas bien, lui. Mais il a toujours été un peu casse-couille, notre cher Oscar. À chaque fois, il nous demandait d'avoir notre visa et tout, là. Ce casse-bonbon. Vas-y, les temps de chargement. Alors, ok, on recommence. C'est cassé là, oh, j'ai trouvé.
D'un côté, on se fait des montagnes russes. Voilà mes bras. Ouh, je déteste les montagnes. Ça me fait des douleurs thoraciques. C'est horrible. Quand ça va trop vite, ça me fait mal dans la poitrine. C'est dommage. Bienvenue les gars. Bon, c'était cool. On a été un petit peu partagé en début de live. Après, ils ont plus eu envie. Oh, elle va nous filer des fringues ou sinon elle va nous dire où en trouver, je pense. Vu qu'elle connaît partout. Mais tu imagines être toute seule dans ce bled? Tu te fais bien chier. Hein. Mais c'est clair, on a perdu 35 personnes. Mais après, on est remonté à une centaine quand même, parce qu'on était à 130. On est tombé à une centaine. Je le peux, ma Genia. Notre amour est impossible. Oh, Piotr, pourquoi? Pourquoi la vie s'acharne d'elle à nous séparer ainsi? Ce n'est pas la vie qui t'a blâmé, ma colombe. C'est sa famille. Michel. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je refuse que tu sois marié de force à Tatiana. Imaginez avec cette créature. Oh, j'en mourrai. Comme je mourrais d'être unie à Yuri. Ça, histoire très très triste, Miss Ketwork. Piotr et Genia smush love. Mes familles les ont promis à Tatiana et Yuri pour toucher héritage du grand-oncle Joseph. Vous croyez vraiment que c'est le moment de suivre des feuilletons à l'eau de rose? Il faut finir de déblayer l'entrée avant l'arrivée d'Olga et du colonel. Ça, ça. Yukol retourne creuser. Il n'y a plus rien à faire, ma Genia. Faut accepter notre sort et tâcher de mener des existences vertueuses. Grave ta faute, Rubin. Nous ne sommes pas obligés de nous résigner. Peut-être que... Peut-être que s'il arrivait quelque chose à Tatiana et Yuri. Un accident à la centrale, par exemple. Genia, tu n'y penses pas? Où t'as vu Céline? Ah oui, là. Coucou ma Céline, comment ça va? Bon, pote à la compote, est-ce que tu as des fringues pour moi? Pourquoi tu es ressorti? Katerina? Ah, encore vous? Je te rends ta clé, meuf. Voilà votre clé. Merci encore. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des vêtements pour Oscar, mon ami, automate. Hein? Vous savez, pour un automate, il est très pudique. M'a pas l'air très clair votre histoire. Mais enfin, vous pouvez regarder là-bas dans l'armoire où j'ai mis les choses d'André. Voilà pour l'ouvrir. Mais n'en prenez pas plus que nécessaire. Hein? Tu as vu ma gueule? Je suis quand même attachée à tout ça. J'ai chialé comme une madeleine quand Joshua est mort. J'ai plus chialé quand Joshua est mort que quand Clive est mort. Parce que bon, Clive, je savais que Joshua, il allait mourir. Hein. Mais Clive, je savais vraiment, j'étais préparée depuis un bon moment. Mais Joshua, sa mort, elle est tellement triste. Je trouve qu'elle est beaucoup plus triste que celle de Clive. Kate Walker. Comment t'as fait pour arriver jusqu'à là? Qu'est-ce que vous faites là, Oscar? Plus vite je serai décemment habillé, mieux je me porterai. En venant vous rejoindre, j'ai croisé une bande de nabots hirsutes et très mal polis. Je vous épargne les colibets dont j'ai été la victime. Ne vous fâchez pas. Regardez plutôt dans cette armoire. Les vêtements devraient être à votre taille. Il est pas vraiment blond, hein. Il est blond rouquin, hein, Joshua. Et qu'est-ce que tu as contre les blancs, toi? Comment me trouvez-vous, Kate Walker? Tu es trop stylé, mec. Très saillant, Oscar. Vous êtes parfait.
Merci, Kate Walker. Maintenant, dites-moi plus sur ce chariot que vous voulez que je conduise. Il se trouve sur la jetée, à côté de notre bateau, le cristal. Eh bien, dans ce cas, nous n'aurons qu'à nous retrouver là-bas, Kate Walker. Parfait. À non, tout je à reste l'heure, amoureuse de Clive, même si Joshua m'a énormément ému. J'ai bien chialé, mais non, je reste Clive. Chim Clive. Mais bon, j'ai pleuré aussi un peu quand John il est mort aussi. Ça m'a fait beaucoup de la peine. John aussi, j'aurais vraiment espéré qu'il survive. Mais bon, malheureusement... Attends, mais on pouvait pas partir... Comment il est venu, le cul, là? Par où il est passé? Ah voilà, ça y est. Kirk ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je venais... Ôte-moi d'un doute. Ce ne sont quand même pas les autres Yukon qui t'ont parlé. Ben nous, on a regardé les écrits aussi, il n'y a rien qui dit qu'il a survécu. Non. Il était bien et bien mort. Et évidemment, tu n'es pas venu là pour essayer de le suivre à ton tour. Un grand guide spirituel comme toi n'est pas amateur de ce genre de mise. Et c'est ce qu'il disait dans les récaps en disant qu'il n'y a rien bien sûr que non, qui Kate Walker, que Clive je... Et donc, et tu t'as prêté à retourner avec la pareil, tribu pour t'assurer que tout va bien pour elle. C'est exactement ça, oui. Un peu, d'ailleurs, j'y vais de ce pas. Du corps, ah, était bon. À plus tard, Kate Walker. Et il y a eu plusieurs gars qui avaient déjà les mêmes pétrifiés qui ne sont pas morts plus que ça, tu vois. Donc c'est pareil, mais il n'y a aucun truc... On doit aller où, en fait? Ah oui, on doit aller rejoindre Oscar là-bas. J'ai oublié. Parce qu'il était mort de chez Archimor, hein. Clive, il a utilisé le pouvoir de Phoenix pour lui cleaner le corps, mais Joshua a toujours dit que le pouvoir de Phoenix ne ramenait pas les morts. Hein. Il aidait à te régénérer, mais pas à... Mais il n'y a rien qui est marqué comme quoi c'est lui qui l'a écrit après. Ça peut être des écrits qu'il a écrits tout au long de son aventure, hein, comme on disait avec Ludo. Hein. Que moi, quand je lisais les trucs, il n'y a rien qui... Moi, quand j'ai lu les articles et tout, il n'y a rien qui avait marqué comme quoi c'était Joshua qui avait écrit après les événements. C'était Joshua qui avait écrit l'histoire... Mais il n'y a rien qui disait que c'était lui qui avait écrit l'histoire après les événements. Parce que déjà, s'il avait survécu, pourquoi on ne l'a pas revu avec Jill, rejoindre Jill et tout? Il s'est évaporé quand le cristal s'est évaporé. Oui, c'est écrit, bien sûr, Joshua Rosefield. Mais si c'est les notes de Joshua, ben, bien sûr qu'ils vont marquer que c'est Joshua Rosefield puisqu'ils ont récupéré les notes de Joshua pour créer le livre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est dû aux écrits de Joshua. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ce serait bizarre qu'on voit... Jill et tout pleurer leur mort. Et qui la laisse pleurer leur mort. C'est bizarre. Moi, pour moi, c'était des écrits qu'il avait... Ah, merci. Mais oui, c'est pour ça. Moi, avec Ludo, nous, on est dans l'hypothèse où, à la base... Oscar a pu s'installer. C'est la secrétaire de Joshua qui a récupéré alors, tous les écrits de moi et qui a écrit le fameux livre après les événements pour que tout le monde puisse se rappeler. Allez, droit au but. Je vais avoir besoin que vous utilisiez ce chariot pour tracter le cristal sur la plage. Vous vous en sentez capable? J'ai été le conducteur du train Vorarlberg, Kate Walker. Pour moi, piloter ce tracteur ne pose aucune difficulté. Je vais simplement avoir besoin d'un peu d'aide pour mener à bien cette mission.
Je vois pas qu'est-ce pourquoi on ne le voit pas revenir à la fin. Tout d'abord, vous devez de relier le cristal à ce tracteur. On voit pas son corps du tout quand d'accord, le cristal Oscar. S'évapore. Et puis ensuite ? On voit que Clive. Je ne pourrai rien faire tant que ce chariot ne sera pas alimenté en électricité. On va t'alimenter. Entendu. Je vais essayer de remettre le courant dans le parc, alors. Oui, on a chacun nos hypothèses. Je dis pas que la vôtre, elle est pas vraie. Les êtres vivants risquent de graves sévices corporelles en cas de manipulation inappropriée de composants électriques. Moi, je vois aucun lien qui prouve... Heureusement que vous êtes là pour me le rappeler, Oscar. Joshua, il est en vie, quoi. Y a rien qui nous a montré jusqu'à présent par rapport à la fin du live comme quoi il était en vie quand il était vraiment mort de charge mort là-haut. Clive, il a eu le temps de se battre avec Ultima, de revenir. Il était quand même cané par terre. Hein. Sachant qu'en plus, il avait plus son pouvoir. Attends, il était où les trucs là ? Ah, c'est là-bas. Il avait plus du tout son pouvoir pour se régénérer de base en plus. Et il a toujours dit que son pouvoir ne pouvait pas ramener les morts. Ça, il l'avait dit dans le jeu. Donc, comment il a fait pour revenir à la vie si son pouvoir ne peut pas ranimer les morts, tu vois ce que je veux dire ? Une fois que t'es mort, t'es mort. Vu que ce qu'il avait dit dans le jeu, pour moi, il était impossible qu'il soit encore en vie, puisque ce qu'il avait dit dans le jeu, c'est que son pouvoir, à la base, ça devait régénérer de l'intérieur. Mais une fois que t'étais cané, t'étais cané. Je ne serais pas trop surpris de la fin. Miss Catwalk, besoin d'aide ? Ah, possible, ouais. Mais à ce moment-là, il se serait réveillé quand Clive, il lui a nettoyé le oui. corps. Hein. Pouvez-vous brancher ce câble cristal ? Yeux, tu vois ce que je veux te dire ? Peut-être que comme ça, j'arriverai à remettre du courant dans le parc. Pas problème. Très bien. Après, l'hypothèse, merci elle est pour bonne, votre aide, mais il est parti. Brut. Le corps, il est allé où, le corps, quand le cristal s'est évaporé et que Clive s'est retrouvé sur la plage ? Le corps de Joshua s'est retrouvé où ? Tu vois ce que je veux te dire ? Il y a rien qui montre comme quoi il était en vie, en fait. C'est ça que... C'est quoi ? Va rallumer bateau. Vais en profiter pour brancher corde magique. Ok, on va rallumer bateau. Donc après, bon, moi, c'est ma théorie. Moi, je suis ok avec Ludo. Moi. C'est possible, oui, mais il n'y a rien en fait, il n'y a aucun indice, à part le livre, mais le livre, comme je te disais, l'histoire de ses écrits, ça, ben, ça tient. À part le livre qui a marqué Joshua, il n'y a rien, il n'y a aucun indice qui montre qu'il a survécu, tu vois ce que je veux te dire ? Il ne s'est pas réveillé quand Clive il a un peu nettoyé, parce qu'à la base, il a utilisé Phoenix pour lui cleaner le corps parce qu'il était complètement fracassé. Histoire qu'il ait une mort propre, quoi, tu vois. Mais il n'y a aucun indice, entre guillemets, qui montre qu'il a survécu, en fait. C'est pour ça que moi, je suis plutôt dans l'hypothèse de... avec Ludo. Tiens, on va dire une dizaine de trucs qui te montrent qu'il est mort et un seul truc, le livre, qui te montre que peut-être c'est lui qui a écrit. Et encore, tu vois, c'est même pas un truc à 100%. Donc c'est pour ça que je suis moins convaincue par cette hypothèse, c'est 1%, tu vois. Mais ça serait cool hein, qu'il ait survécu. Hein. Mais ça, c'est des hypothèses, les écrits, Mylène. Quand tu regardes, les créateurs du jeu n'ont jamais confirmé que c'était Joshua qui avait écrit le livre. Tu vois ou pas ? Ou au moins que les livres, il avait déjà écrit avant qu'il meure. Tu vois, on sait pas ça. C'est peut-être Joshua qui a écrit le livre avant qu'il meure. Avant de mourir, il a écrit le livre, tu vois, sur son histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de possibilités. Il a pu écrire le livre avant sa mort, il a pu, tu vois, ça peut être des écrits et sa secrétaire qui les fait, ou ça peut être un livre qu'il avait déjà écrit.
Possible avec un DLC, on saura peut-être, mais c'est vrai que aucun réalisateur n'a confirmé ni la mort de Clive, et ils n'ont pas parlé du tout de Joshua de base. Ils n'ont pas parlé du tout. Là où les joueurs se sont posé la question, c'était plus par rapport à Clive que par rapport à Joshua. Secrétaire sexy. Et les réalisateurs du jeu n'ont même pas confirmé si Clive était mort ou pas. Ils n'ont rien dit. Ils ont laissé cours à notre imagination. Donc si oui, on a envie qu'il soit en vie et qu'il soit revenu, ou non, et il est mort. Parce que c'est pareil, pour Clive, tu sais pas s'il est mort ou pas. On n'est pas sûr qu'il y ait un DLC. Ouais, avec Ludo, on pense pas. Ou s'il y a un DLC, c'est peut-être sur l'histoire de Sid ou sur les personnages autour. Je ne pourrai rien faire tant que vous n'aurez pas relié mon chariot au cristal. Ou peut-être aussi, oui, l'histoire de Joshua, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Le chariot au cristal. Ah, attends. Eh ben, comment on va faire? Donc, c'est possible qu'il y ait un DLC. On ne croit pas trop, mais s'il y en a un, ça peut être avec Sid, l'histoire de Sid. Ou l'histoire de Joshua, ce qui s'est passé pendant ces 20 ans. Comment je rallie le bateau, moi? Attends, peut-être ça, là. Il n'y a pas un truc ici? Cette amarre serait parfaite pour tracter le cristal. Il me faudrait juste de l'aide pour la détacher. Mais est-ce que tu... J'ai besoin que vous preniez cette amarre à côté de vous et que vous l'accrochiez au chariot là-bas, s'il vous plaît. Ciao. Merci. Allez, c'est parti. Un sort de là. On est bon maintenant? Oui, Kate Walker. Allez-y, Oscar. Essayez d'avancer. Ouais, parce que le truc, c'est qu'il s'est évaporé là-haut, hein, en même temps que le cristal de base. On n'a pas vu un corps tomber du ciel, tu vois. Parce qu'il était là-haut, lui, hein, quand le cristal, ici, quand il y a tout qui a pété. On n'a pas vu de corps tomber du ciel, ni quoi que ce soit, donc... il s'est évaporé un peu comme John. Stop, Oscar. Stop. Ça ne marche pas, Oscar. On ne fait qu'enfoncer le cristal dans le sable. C'est fâcheux, en effet. Avec cet engin, la traction exercée est trop horizontale. Il serait préférable de tracter à partir d'un point situé plus en hauteur. Le câble serait à l'oblique, et votre bateau avancerait et serait soulevé tout à la fois. Voilà une brillante analyse de la situation, mon cher Oscar. Autre chose, peut-être? Pas précisément, Kate Walker. Mais il vous faudrait peut-être aller voir plus loin sur la jetée. Pouvez-vous me donner du mou sur la mare pour que j'y amène le chariot? Ok, bon, on est bon, là. Eh bien, les amis, on va se laisser ici pour l'épisode. Merci à toutes les personnes qui ont suivi le live. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On a récupéré 3 abonnés aujourd'hui. Comme vous le savez, on a objectif 12 000 abonnés avant le 31 décembre 2023. Nous sommes à 11 647 et nous fixons les 12 000 abonnés. Il nous reste 3% et quelques à réussir à valider. Vous avez les abonnements gratuits classiques, vous en avez accès à tous les lives de la semaine. Vous avez aussi les abonnements sponsors, superfan, qui vous permettent... Eh bien, d'être sur les groupes réservés aux abonnés, d'être sur le Discord où je suis en vocal tous les jours après les lives,
d'avoir le badge de l'abonné. Vous pouvez jouer avec moi en live. Là, on va être sur Nioh avec Alex et Ludo. Vous avez les stickers personnalisés aussi. Tout ça pour 4,99€ tous les mois. Et pour les personnes de plus de 6 mois, eh bien, vous êtes éligible pour un tirage au sort afin de gagner des cadeaux. Puisque voilà, les 4,99€ tous les mois, je ne les touche pas. Je les mets de côté afin de vous faire gagner un cadeau à chaque fois que j'ai une somme raisonnable afin de vous faire gagner un cadeau. Voilà, tout simplement. Donc, ça sert à ça. Voilà, en tout cas, je fais tout plein de très gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour le premier épisode de Nioh. Nous serons avec Alex et Ludo entre 13h30 et 14h30, les amis. Passez une très bonne journée. Et à demain. Bye.